Bonjour, je suis Guy, Area Manager Source Europe et je m'occupe de l'Espagne et l'Italie. J'ai rejoint Tierce depuis 2020 et quand j'ai été recrutée, c'était pour les postes, la création des postes de contrôleur pour l'Espagne. Avant, j'ai travaillé pendant quelques années dans des autres startups entre la France et l'Espagne et ça a été notamment pour l'expansion. Notre rôle est pleinement stratégique et permet le développement dans les deux marchés. Nous nous alignons avec les équipes globales sur la vision et la stratégie pour aller encore plus loin et surtout adapter toutes les typologies des campagnes qu'on va faire pendant toute l'année. Notre équipe dispose aussi d'influenceurs managers vraiment dédiés à les marchés et pour chaque pays. Donc en fait, la mission qu'il y a derrière, c'est faire des campagnes chaque mois, super localisées et coordonnées avec les autres équipes de marketing. Et aussi, nous avons recruté des personnes pour partnership manager pour l'Espagne. Et en fait, la mission est super focalisée sur B2B et B2C. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est vraiment des activations pour augmenter la visibilité et positionner notre produit et service dans les marchés. Et aussi, grâce à les équipes qu'on a vraiment dédiées de manière transversale, on a des personnes plus pour travailler la marque Cheers dans les moindres détails. Nos équipes South Europe se développent et nous avons plein de projets à venir. En 2020, nous avons créé un poste dédié à l'influence pour l'Italie et aussi pour la presse. En 2021, nous avons commencé avec les partnerships dédiés à chaque marché, pour l'Espagne et pour l'Italie, pour consolider la marque Cheers dans chaque pays. Notre plus grande force est le travail de l'équipe et la localisation, même avec des produits exclusifs dédiés à chaque pays. C'est vraiment la force pour croître et s'installer d'une manière vraiment unique et avec une valeur totalement ajoutée pour les clients. En fait, les relations entre l'équipe de marketing et nous, c'est presque quotidien parce qu'on s'est coordonné pour tirer leur expertise et aussi les soutiens dans tous les différents domaines. Bien qu'ils puissent assembler des marchés très similaires, l'Espagne et l'Italie ont des particularités très différentes. Pour donner un exemple, on peut voir simplement l'effet des fêtes de Noël. Il y a des différences, surtout dans la manière qu'on va les célébrer. Donc, il y a Père Noël, Befana, Roi Mage. Mais en fait, c'est cette typologie des différences que nous, on va adapter, localiser et travailler de manière en profondeur pour chaque campagne et surtout pour parler à l'audience de chaque pays. Parfois, nous profitons des relations internationales aussi pour créer des synergies qui dépassent les frontières. Un exemple, c'est le programme Green de Cheers, notamment dédié à la mission carbone neutre, FSE, et aussi les programmes solidaires. Notamment, c'est de notre mieux. Et aussi, c'est un programme d'engagement solidaire qu'on fait dans chaque pays de manière locale avec des associations pour donner et rendre la souris à toutes ces personnes qui ont besoin. Notre ambition, c'est de travailler sur la notoriété pour pouvoir faire connaître à toutes les différentes personnes de chaque pays, augmenter la visibilité et surtout montrer notre valeur. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur la construction des leaders de la marché des photos de demain. Surtout pour offrir ce petit quelque chose d'extraordinaire dans la vie de notre client. Cela n'est fait que commencer et nous avons encore énormément de défis à relever. On vous attend chez Tiers pour en parler de notre projet.